Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui est un transmetteur FM. En commençant, la transmission FM, c'est la propagation dans l'air d'une onde appelée la porteuse qui a été modulée en fréquence d'après l'amplitude d'un signal d'information. Cette information est ensuite décodée à la réception en utilisant un récepteur FM sous forme d'une radio FM qui utilise une bande de fréquence porteuse variant de 87,5 MHz à 108 MHz. Donc, notre transmetteur FM va nous permettre de transmettre un signal audio en utilisant la technique de modulation de fréquence qui a été développée pour une meilleure transmission des signaux audio tels que la voix ou la musique. Il nous a fallu aussi réaliser le circuit simultissime afin de tester théoriquement son fonctionnement. Et si on essaye d'injecter un signal audio de 3 secondes au niveau de l'entrée du microphone, on lance la simulation puis on essaye de visualiser le signal d'entrée injecté et le signal de sortie reçu au niveau de l'antenne. Le signal en rouge, c'est celui d'entrée, et le signal en vert, c'est celui de sortie. Et si on remarque que le signal audio a été amplifié et modulé. Par la suite, on a monté notre circuit. On l'a alimenté avec une tension de 1 volt du générateur. Maintenant, on essaie de transmettre la voix de la vidéo au récepteur qui est une radio FM éloignée d'un mètre transmetteur. On l'avait déjà réglé une fréquence. Déjà calculé lors de la mise théorique du projet. On entend en ce moment la voix de la vidéo transmise au microphone à partir de la radio. En outre, on essaie de visualiser les signaux d'entrée et de sortie qui ont une fréquence similaire d'environ 114 MHz avec une légère amplification d'amplitude au niveau de la sortie du transmetteur. Maintenant, on essaie d'éloigner notre signal audio du microphone et on voit clairement que la radio ne donne aucun signal audio. C'est le contraire en rapprochant ce signal audio du microphone, ce qui confirme le bon fonctionnement du transmetteur FM réalisé.